Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Parole d'Oracle. Je vais vous faire un tirage sentimental pour le mois de juillet 2020 pour voir ce qu'il va se passer dans ce domaine-là vous concernant. Alors c'est parti, je pense à vous et je mélange les cartes pour connaître le message de l'oracle pour ce mois de juillet 2020 pour vous les poissons. Les poissons, mois de juillet 2020. Alors, on a à la coupe le pape. Le pape qui peut vouloir nous dire que vous officialisez une relation, hein, c'est l'union, le mariage. Ça peut être aussi vous engager sérieusement dans une relation si toutefois il n'y avait pas de mariage. Alors, on commence avec une très jolie carte, le valet de coupe. Donc, le valet de coupe, ça peut être la rencontre d'une personne, hein, personne assez jeune, peut-être plus jeune que vous, mais ça peut être également la voix du cœur, c'est-à-dire que vous laissez libre cours à vos émotions. Alors, c'est la carte du valet de coupe suivie du valet d'air. Donc là, c'est peut-être que voilà, il y a quelque chose qui se met en place dans votre tête suite à une rencontre. Vous vous dites ben, pourquoi pas. En fait, le valet d'air, c'est aussi celui qui cherche quelque chose, qui cherche à en savoir plus sur quelque chose. Vous voyez, qui demande, qui cherche à connaître l'autre, qui veut savoir à qui il a affaire. Alors, on va voir justement si ça dit quelque chose à ce sujet. On continue. Alors, le cavalier de feu, c'est le messager de feu, c'est le cavalier de bâton dans le tarot de Marseille. Donc, le cavalier de bâton, c'est que vous êtes dans une passion quand même. Hein. Donc, si on passe du valet au cavalier, c'est que les choses partent sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez vite fait le tour de la question si vous voulez connaître les intentions de l'autre. Hein. Vous avez vite compris et vous laissez partir les chevaux. Si vous êtes en couple, ça peut être un regain de passion, peut-être au cours de vacances cet été où vous retrouvez justement à deux et que vous vivez passionnément votre relation, quoi, sans contrainte, sans travail. C'est le cœur qui parle. Alors, le 3 de bâton, c'est une très belle carte, comme si vous partiez à la conquête, hein, presque. Ceux qui sont en couple, il y a une opération de reséduction de l'autre. Vous avez beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de passion là-dedans. Alors, où est-ce que cette conquête nous mène? Voyons. Alors, on le sait. Oh! Regardez, vous avez le cavalier de coupe, le messager d'eau dans ce jeu. Et la relation, franchement, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez, ça va vite, ça va aller crescendo hein, dans les émotions et dans le désir d'être avec cette personne. Vous passez du valet, pardon, au cavalier dans la hiérarchie, on grimpe là. Ça voudrait dire que la relation, elle prend quand même une importance, une tournure toute particulière. Hein. C'est des cartes en plus de coupe, ça veut dire des cœurs. Hein. Donc, c'est pas qu'une passion, c'est aussi quelque chose
qui vous donne des papillons dans le ventre. Hein. C'est super ça. Un beau tirage les poissons hein, pour le mois de juillet. Ben, l'été en même temps c'est propice à ça. Hein. On est en vacances, on est disponible ou on est plus disponible, plus disponible. Après tout le monde n'est pas en vacances, mais en tout cas, il n'empêche que vacances ou pas vacances, il y a rencontre. Ou si vous êtes en couple, vous allez avoir des élans d'amour pour votre compagne ou compagnon, hein, votre époux ou épouse. Alors, bah, cette carte de l'oracle d'Algariel qui nous indique que, que vous rencontrez quelqu'un, là je pense plutôt célibataire, hein. Vous étiez en situation de célibat et là ça comble un manque, hein, cette rencontre. Vous aviez hâte de rencontrer quelqu'un. C'est pour ça peut-être que vous l'analysez un peu sous toutes ces coutures, hein, parce que